Stop, stop, non, Genève, ville de paix. Notre État se veut trait d'union au cœur de l'Europe. Dans le contexte des conflits israélo-arabes qui se sont succédés depuis 1948, il y a eu la tentative d'amener la Syrie à la table de négociation. Et c'est à Genève que vont se concrétiser pendant toutes ces années, à travers plusieurs présidences américaines, des réunions au plus haut niveau entre les présidents des États-Unis et le président de la Syrie, Hafez el-Assad, dans l'espoir d'amener la Syrie à un compromis avec Israël sur lequel on pourrait construire une région de paix dans tout le Moyen-Orient. C'est ce somptueux plateau de 600 km² qui est au cœur des négociations israélo-syriennes. La Syrie souhaite la rétrocession du Golan selon les frontières d'avant 67, lui donnant accès au Jourdain et au lac de Tibériade. Israël est aussi favorable à un retrait, mais selon les frontières établies en 1923, ce qui lui laisserait le contrôle des sources d'eau. La petite Syrie, si l'on veut, par rapport aux grandes puissances, qui se retrouve à Genève pour négocier avec le président des États-Unis, c'est déjà une victoire pour le président syrien. C'est un signe de reconnaissance de son importance. La position des Syriens, et il le disait, c'était qu'à Genève, on pouvait discuter d'égal à égal. À 15h08, le président syrien pose un pied sur le sol suisse alors que des reporters qui attendent depuis des heures enregistrent ses déclarations. Dans l'après-midi, le ciel se découvre pour l'arrivée de Jimmy Carter. Un téléphone blanc est immédiatement installé au pied de l'avion Air Force One. Il est directement relié à la Maison Blanche. C'est l'un des gadgets de la panoplie des hommes du président. I want to express my deep thanks to President Assad for being willing to come to Geneva to meet with me. Le président Assad restera très ferme, surtout au chapitre des frontières, mais cette conférence sera toujours considérée comme un échec. Présent après la rencontre Assad-Carter, c'est George Bush qui se retrouve le 23 novembre 1990 face au président Assad. Une fois encore, c'est à Genève que se déroulent ces entretiens dans un contexte tout à fait explosif. On était à la veille d'une guerre, donc ça n'était pas rien. Il y avait eu l'invasion du Koweït. Qu'allaient faire les Américains? Est-ce qu'il y aurait une coalition internationale? Et surtout, et c'était ça l'objet de cette rencontre à Genève, est-ce qu'il y aurait une caution arabe, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des troupes arabes qui allaient participer à cette coalition qui n'était pas encore tout à fait fixée? Donc les enjeux étaient énormes, c'était très 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 tendu. Mais cela va aller très loin au moment où George Bush, président des États-Unis, a amené la Syrie à être du côté d'une coalition arabe qui, de l'Arabie saoudite, va conduire les opérations pour aller atteindre l'Irak de Saddam Hussein. Finalement, les Syriens rallieront la coalition, envoyant plus de 20 000 hommes sur place. C'est assez curieux de voir, quelques années après, la Syrie étant quelque part l'allié des Américains. 7 mois plus tard, en 40 jours de guerre massive, la coalition occidentale fait reculer Saddam Hussein. On est tout à fait témoin d'une page d'histoire qui est en train de se tourner. Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale du Téléjournal à l'occasion du sommet de politique étrangère qui a pour cadre ce week-end Genève. Cet hôtel intercontinental est peut-être ce soir l'endroit du monde le mieux protégé, en tout cas le plus gardé. C'est là en effet que les deux présidents vont résider. Les soldats seront armés, ils ont reçu l'ordre de tirer sur toute personne qui pénétrerait dans le périmètre interdit. Pour le président syrien, il y a des adversaires coriaces,
Donc sa propre sécurité est aussi un énorme défi pour la Suisse. 7h45, à pied s'il vous plaît, Bill Clinton quitte l'hôtel intercontinental. Les journalistes sont là, quelques badauds ébahis aussi, qui ne veulent pas rater le premier footing jamais effectué par un président américain dans la cité de Calvin. Contrairement à son homologue américain, depuis son arrivée, le président Hafez el-Assad n'a pas quitté l'hôtel intercontinental. Sa technique de préparation, le sommeil et la concentration. 16h12, en direct dans quelques secondes, le début de la conférence de presse des présidents américains et syriens. Voilà, alors Xavier, les deux présidents, Bill Clinton qui fait signe à Hafez el-Assad de se rendre sur l'estrade. Les Syriens ont fait la guerre avec honneur au Proche-Orient. Aujourd'hui, ils veulent la paix avec honneur. Je suis pour la paix des braves, s'exclame-t-il. Le président syrien se veut très clair, dans les principes en tout cas. Il s'engage, dit-il, à mettre fin au conflit israélo-arabe. Mais la prudence est de mise à l'égard d'un président qui a déjà dit cela il y a plus d'une année. Hafez el-Assad a la réputation d'un talent diplomatique exceptionnel. Le correspondant de la télévision suisse romande insiste, ironique. Monsieur Hafez el-Assad, vous discutez aujourd'hui avec le quatrième président américain de votre carrière. En faudra-t-il un cinquième pour faire réellement la paix? Et le président syrien fait mine de ne pas comprendre pour répondre enfin par une vague affirmation. Il avait cette endurance à donner le change, à faire croire qu'évidemment tout était possible. C'était dans son intérêt pour apparaître justement comme l'interlocuteur privilégié du monde arabe avec les États-Unis. La limousine de Bill Clinton quitte l'hôtel intercontinental sous la pluie. Au même instant tombe la nouvelle de l'échec de cette rencontre. Un échec que Bill Clinton n'a pas souhaité annoncer lui-même. Ces réunions de Genève, au plus haut niveau, sont des échecs successifs. On y a beaucoup cru. En fait, j'ai passé l'essentiel de ma carrière à croire qu'on aurait une résolution du problème du Proche-Orient. Et ça va avoir des retombées aussi sur la popularité du président Clinton aux États-Unis. Si Clinton avait pu ramener aux États-Unis, évidemment, un accord de paix et de reconnaissance entre la Syrie et Israël, c'était évidemment une augmentation de son crédit considérable au niveau de l'opinion publique américaine et bien au-delà, bien entendu. Check your hand. Can you check your hand, please? Yes, please. Yes, good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.